Alors bonjour François Musy, Bonjour. on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre d'un entretien organisé par l'ECAL et le comité doctoral de Technès. Donc on vous connaît principalement pour votre longue collaboration avec Jean-Luc Godard sur ses films depuis Passion en 1982, mais aussi pour la création en collaboration toujours avec Jean-Luc Godard du studio Harold. Et vous avez aussi récemment gagné deux Césars du meilleur son pour Quand j'étais chanteur et Marguerite, deux films du réalisateur Xavier Giannoli. Vous avez apporté avec vous aujourd'hui un enregistreur numérique, vous nous présenterez au cours de cet entretien. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et quand vous êtes entré dans le métier d'ingénieur du son? Oh là, ça fait longtemps. Non, ben moi j'ai fait comme vous une école qui s'appelait l'ESSAV à l'époque, qui était l'école supérieure d'art visuel. Avant j'avais fait plutôt de la technique et de l'électronique. Et ensuite, ce qui était à l'époque encore que les Beaux-Arts, et c'était la première année qu'ils avaient ouvert une section cinéma. Et puis assez rapidement, ben, j'étais plus intéressé, je pense, la technique ayant rattrapé mon choix, que je me suis intéressé au plus au son qu'à la réalisation, puisque c'était plutôt ça auquel j'étais voué au départ, comme tout le monde, hein, qui rentre dans une école de cinéma en se disant « tiens, je vais être réalisateur ». Et puis qu'après, ben voilà, le son, j'y ai trouvé mon compte. Et du coup, ce que j'avais appris en technique avant m'a servi, et puis voilà. Et puis après, bah oui, c'est un peu le hasard des rencontres. J'ai rencontré très jeune des gens très bien, et voilà. Après, mais ça fait longtemps. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis après, bah, vous apprenez votre métier. À 24 ans, vous pensez que c'est formidable, alors qu'on sait rien, et puis... Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à 24 ans, on est un peu inconscient. Et qu'on n'a pas peur des choses, donc voilà. Avec le recul, je me dis qu'il fallait être un peu fou pour dire oui, mais voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai eu la chance de commencer ma carrière en étant... Effectivement, j'ai commencé jeune, mais j'ai commencé avec l'ancienne génération qui venait d'un cinéma beaucoup plus classique et tout. Et effectivement, c'était... Voilà, on tournait encore à l'époque sur bande magnétique, en 35, c'était monté en 35, mixé en 35. Donc voilà, ça, il y a eu... Et j'ai vécu tout à la fois... La fin du cinéma, on va dire mono classique, à l'arrivée de la stéréo, du multipiste, du numérique, d'abord au son, puis ensuite à l'image, puisqu'on a quand même encore... Le son a basculé assez rapidement dans le numérique, hein, à peu près... moi, je sais que les premières machines numériques avec lesquelles j'ai travaillé, c'était dans les années 89, où j'ai commencé à faire les premiers tests en roulant avec les deux formats. Voilà, et on a passé, je dirais, définitivement au tout numérique, son, à partir, vous voyez, entre 2000 et 2004, tout a basculé, quoi. Où on a complètement arrêté d'avoir des machines à bande lisse, des transports de bande, où on a fini par tout faire sur computer, quoi. Et ce passage au numérique, alors, qu'est-ce que ça permet de différent ou de nouveau? Je pense que ça a démocratisé beaucoup de choses. Ça a fait beaucoup de tort aussi. On pense aujourd'hui le numérique, une machine à 300 francs, elle en vaut bien une à 4000. Or, c'est pas tout à fait les mêmes machines. À l'époque, bon, voilà, il fallait acheter ou un Agra ou un Stellavox. C'était des machines bon, relativement chères, mais c'était des belles machines qui étaient bien construites et tout. Aujourd'hui, on se retrouve sur une palette de produits qui va effectivement de 50 francs à 15 000 francs pour un Kantar. Donc, mais c'est pas les mêmes machines, on ne fait pas les mêmes sons avec. Donc il faut bien... être conscient quand on dit aux gens, quand vous allez enregistrer une ambiance avec un Zoom ou ces petites machines-là, ça ne fera pas le même son qu'avec un Sonosax ou un Kantar. Il y a une esthétique différente du son. Non, ce n'est pas une esthétique, c'est qualitativement, tout simplement déjà. Mmh. C'est exactement comme un appareil photo à 100 balles et puis un Canon ou un Nikon. Ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas le même travail sur les produits, sur les lentilles, etc. quoi. Je ne pense pas qu'on puisse faire une photo avec un iPhone qui a la qualité d'une optique Nikon ou Canon ou Harry, ou Lights, voilà, ça, je pense que ça existe encore. Le numérique a apporté plus de liberté, en tout cas en ce qui me concerne, puisque moi j'ai aimé dans ce métier faire à la fois le plateau et la post-production, c'est-à-dire le montage et le mixage, et que ça nous a permis d'avoir des outils pour pouvoir faire ça, alors qu'avant les outils étaient très chers, c'est-à-dire un studio de mixage cinéma, c'était des très très grosses installations, donc c'était forcément des prestataires de services. Et donc du coup on a pu... construire, je dirais, des studios à la fois plus petits, mais plus démocratiques aussi, sur lesquels on a pu avoir son propre outil de travail, quoi. Ça reste néanmoins relativement coûteux, hein, faut pas...
Et pour revenir par exemple au studio de Roll, quel était le véritable avantage pour vous d'avoir un studio pareil? Pouvoir travailler Ben moi, j'ai toujours par voulu. vous-même? Non, mais je pense que j'ai toujours voulu trouver. Je trouve ce qui est intéressant quand on travaille dans le son, c'est d'être le plus proche possible du produit qui est fini. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous dites, voilà, vous allez faire de la cuisine, mais on va commencer par travailler, je ne sais pas moi, je sais pas comment. Un exemple, c'est-à-dire de ne pas travailler avec le produit fini. C'est-à-dire, vous n'écoutez pas les sons dans les conditions idéales, ou vous êtes dans des salles de montage son qui ne sont pas entièrement équipées. Donc c'est un travail que vous allez faire une première fois, puis après il y aura le passage au studio, on va faire un autre travail. Moi je pense que c'est un tout. Quand on me demande souvent comment on pourrait enseigner le mixage, ben, je dirais on va commencer par enregistrer un son. Parce que le début du mixage, il commence sur le choix du son. Votre choix, quand vous positionnez votre microphone en extérieur pour enregistrer une ambiance, n'importe laquelle, c'est déjà un choix de mixage. C'est pas vous dites pas, tiens, je vais enregistrer là en vrac, puis on verra après. De toute façon, après, vous ne pourrez rien faire. Donc votre choix, il est déjà de dire, je vais prendre cette source, cette source, cette source, en imaginant qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire après. Et c'est la même chose quand on fait du son direct, c'est-à-dire de quelle manière on va appréhender une scène de dialogue par rapport à l'acoustique, par rapport au jeu des comédiens, par rapport à aussi le fait qu'il faut gérer une équipe qui n'est pas toujours très silencieuse autour de vous. Donc voilà, toutes ces parties-là font partie. Et donc après, le montage son. Ça vient forcément à un moment où moi je peux pas dire que je. Bon, j'aime pas le terme sound design, ça veut pas dire grand-chose. On fait un montage son qui correspond à l'esthétique d'un film qui est défini par un metteur en scène. Je veux dire, de s'approprier le son d'un film sur une personne, ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si vous êtes le plus juste possible par rapport au choix et au désir et de l'écriture d'un metteur en scène. Je veux dire, la bande son, elle n'est que le reflet de ça. Je veux dire, autrement, le reste serait pure prétention. Je veux dire, vous ne faites pas le son de quelqu'un, vous faites le son d'un film, vous travaillez sur le son d'un film. Avec, évidemment, après, chacun a son esthétique, sa manière de faire les sons, ça je ne dis pas, mais je pense que chaque film a un côté. Le son appartient vraiment au metteur en scène. Et il appartient au film, il n'appartient pas à la personne qui a fait les sons. Vous sauverez jamais une scène en faisant un son magnifique. C'est pas vrai. La scène, elle est magnifique, même si le son n'est pas terrible, l'image pas terrible, la scène restera bien. Donc ça, c'est vrai, ça a toujours été vrai, quoi. Mais je pense que, moi, la manière d'appréhender le travail, à la fois de faire le plateau, le montage son et le mixage, en fait, déjà, je ne sépare pas le montage son du mixage. Moi, à partir du moment où je commence à travailler, puisque je monte mes sons dans le studio de mixage, je mixe. Je trouve que c'est plus intéressant. Et après, d'offrir au metteur en scène une vision de comment peut être l'équilibre de la bande sonore d'un film, lui, il peut rentrer dans un travail qui n'est pas un travail technique, mais plus un travail de savoir si le rythme fonctionne, si on est juste par rapport à ce que décrit la scène, etc. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un studio. C'est pas pour. C'était pour avoir cette liberté de travailler dans un atelier qui vous appartienne et qui n'est pas quelque chose qu'on doit louer à des gens de l'extérieur, parce que ça veut dire qu'autrement vous êtes cantonné dans du temps. Donc si un jour vous n'avez pas ça arrive, hein, c'est devant votre écran, vous dites j'ai pas d'idée, ben, il vaut mieux partir, quoi. C'est pas la peine de rester à faire semblant, quoi. Surtout que le son, c'est quand même un truc qui est, si on le fait, ça peut être vite, très, très vite fatigant si on multiplie les heures, parce que c'est, oui, c'est une concentration, et l'écoute, c'est quelque chose. Nos oreilles, on emmagasine à la fois de l'énergie et de la fatigue, hein. De toute façon, si vous voulez vous amuser, faites l'expérience. J'ai d'ailleurs eu tout à l'heure ça. Je pense que le secrétariat de votre école est totalement raté en acoustique. Il y a tout à refaire. Il y a des gens qui travaillent là-dedans, ils ne s'entendent pas parler. Donc, je veux dire, voilà, ça, c'est un exemple, et c'est fatigant. Or, il ne faudrait pas grand-chose pour que ça soit plus agréable. Là, on peut se parler parce qu'on a une acoustique qui est agréable, on n'est pas obligé de faire répéter aux gens. Voilà. Mais c'est la même chose pour vous si vous allez passer, je ne sais pas, imaginez-vous aller écrire une série de questions au milieu d'un carrefour plutôt que dans une table au calme, puis vous regarderez si vous avez le même résultat. On est sensible à ça, je veux dire, comme on sait très bien qu'on se sert de l'énergie sonore pour recharger notre cerveau, ça c'est une. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est des médecins qui. On a besoin de certaines fréquences et que. Voilà. Cette question des ambiances, d'ailleurs, vu que vous le soulevez, cette question des espaces et de l'acoustique, elle me paraît très pertinente par rapport au film de Godard, comme par exemple ce qu'on a eu l'occasion de voir en préparant cet entretien, Détective, Passion ou film socialisme, où parfois les personnages se retrouvent
dans un espace très bruyant. Et comment vous gérez la multitude de sons que vous pouvez monter pour mixer pour ce type de scène? Par exemple, une salle de billard où il y a énormément de bruit autour, comment vous faites pour réinscrire les personnages dans l'environnement, créer une ambiance? Est-ce que vous allez... C'est un mauvais exemple pour la scène de billard, parce que c'est pas moi qui ai fait le son direct de ce film. C'était Pierre Gamet, mais ça fait rien. Non, mais j'ai fait le travail après, mais j'ai pas fait l'enregistrement. Vous allez par exemple chercher des sons, quelque part, des sons seuls que vous rajoutez. Comment vous créez ces ambiances, concrètement? Ça, de nouveau, c'est un metteur en scène, pour prendre l'exemple de Jean-Luc Godard, lui, construit sa bande sonore au moment du tournage, au même titre que l'image, que sa mise en scène, ses déplacements et tout. Tout y participe, donc s'il veut que ça soit très bruyant, il va mettre en scène ce brouhaha, etc. À vous, après, d'essayer de voir de quelle manière vous pouvez le gérer, pour qu'à la fois les dialogues puissent être perceptibles, mais des fois, lui, ça l'intéresse aussi de ne plus entendre les dialogues, donc on est dans un rapport de construction complètement différent qu'un autre metteur en scène, où on aurait fait la même scène, c'est-à-dire on aurait demandé aux gens de ne pas parler, ou les gens qu'on ne voit pas de ne pas jouer du billard, et ensuite de rajouter une ambiance qu'on peut refaire sur place ou ultérieurement. C'est, par exemple, pour prendre un exemple de typique dans le film Marguerite qu'on a tourné en Tchéquie, on a tourné donc en Tchéquie avec des figurants tchèques. Donc toutes les ambiances qui sont dans les endroits où il y a du public, on n'a pas pu les garder puisque les gens parlaient tchèque. Donc ça, c'est typiquement une ambiance qu'on a dû refaire à Paris avec des gens en studio. Mais ça, on le savait dès le départ. Même si j'ai demandé aux gens de parler doucement, on a gardé, on va dire, une partie de l'atmosphère réelle des espaces sonores dans lesquels on était, mais en ne pouvant pas mettre des Tchèques qui parlaient français, quoi. Voilà. Ben ça, c'est typiquement un truc qui est reconstruit, quoi. Mais ça dépend... chaque film est différent. Il n'y a pas de... Je dirais, que ça soit dans n'importe quel cinéma, après, chacun a une manière de construire... Mais je pense que c'est vraiment quand même du ressort du metteur en scène, quoi. C'est eux qui construisent leur espace, et à vous, effectivement, après, je pense que oui, ce qui peut faire la différence, c'est de se dire, voilà, je sais ce qu'il veut, et pour y arriver, je sais comment le faire. Vous savez que tel micro va répondre davantage à telle demande? Oui, enfin, moi, je suis pas très... Non, mais oui. Mais en fait, j'ai pas 50 micros. Moi, je travaille avec un seul micro depuis 40 ans, c'est des Shops, puis voilà, j'ai pas changé. Okay. J'ai fait des essais avec les autres, ça me convenait pas. Après, je dirais qu'il y a des bonnes marques. Et puis après, je pense que c'est surtout la manière dont on place le micro. C'est pas tellement le choix d'un micro. Après, il y a les questions de directivité par rapport à ce que vous voulez faire. Mais en réalité, je vois que je change pas tellement que ça. À partir du moment où vous avez un micro que vous connaissez bien, c'est plutôt le rapport de la position du micro dans l'espace qui est important, et la manière dont vous allez gérer l'énergie qui arrive sur ce micro. Parce qu'on a lu dans un précédent entretien que vous avez fait au début de l'année avec l'Hebdo que vous préfériez par exemple travailler avec une perche plutôt qu'avec un micro à chef. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, mais moi c'est parce que j'ai rien contre la technique des micros à chef, mais il y a un côté béquille. Ouais. Je trouve qu'on perd sur les acoustiques, on perd sur les voix, on perd sur le grain, on perd sur la dynamique. Enfin, moi, j'aime pas. En plus, ici, c'est évident que c'est la plus mauvaise place du monde pour mettre un micro. Donc, évidemment, on peut pas le mettre ailleurs. Je veux dire. Donc, voilà, l'idéal étant... J'avais fait un film en costume de Francis Resserre qui s'appelait... c'était un truc pour la TV sur Voltaire. Ils avaient des perruques, on avait fait coudre les micros dans les perruques. Là, ça marche. Enfin, c'est une position qui est pas mal, on est dans un bel endroit de la résonance. Mais ici, c'est jamais très beau. Alors oui, ça permet de sauver des trucs. Maintenant, si on peut le faire qu'avec une perche, c'est plus intéressant. Mais je me bats pour ça, hein, mais j'échappe pas au fait de mettre de temps en temps des micro-cravates. Je lisais notamment par rapport au son à la télévision, que les prises qui se faisaient par-dessous rendaient les dialogues plus caverneux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conception-là du son et que... Bah, le son monte, hein. Donc c'est un truc assez... Puis on n'est pas par en bas, parce que d'abord, c'est quand même un truc qui est un peu plus gênant pour un comédien. Indépendamment des problèmes de... Effectivement, c'est un peu plus caverneux. C'est-à-dire qu'ici, le son est moins intéressant que ce qui va être en l'air. Hein. Donc il y a une tendance à prendre sur l'aérien quelque chose de plus intéressant. Mais indépendamment de ça, être par en bas, ça peut gêner un comédien.
vous allez être plus près de tous les bruits possibles qui sont à la fois du corps, des pas, etc. Bon, des fois, il n'y a pas de... Si on prend le son par en bas, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire où on a un problème d'ombre par en haut, de reflet. Donc voilà, des fois, on est coincé dans ce... Donc à un moment donné, c'est entre pas de son et du son, c'est le moindre mal. Mais effectivement, c'est toujours plus intéressant par en haut, quoi. On ne vous a jamais demandé justement de spécifiquement prendre par en bas pour justement peut-être avoir les frottements ou quelque chose comme ça qui participerait d'une esthétique particulière pour un film pour une magie. Oui, mais comme tout ça, on peut le rajouter et qu'on ne peut pas l'enlever. Donc je vous laisse choisir. Moi, je dirais prenez quelqu'un d'autre, je ne le ferai pas. Non, mais c'est toujours pareil quand on vous dit on peut ouvrir la fenêtre, on va entendre la circulation, on va faire parler les gens en les faisant chuchoter, et puis que vous vous retrouvez au mix avec quelqu'un qui vous dit pourquoi j'entends trop les voitures et que j'entends pas mes comédiens. Elle est là, la question. C'est tout ce que vous ne ramenez pas du plateau, vous ne l'aurez plus jamais. Mais rajouter du bruit, de froissement de vêtements, c'est facile à faire, on ne peut pas les enlever. Et sur des voix, au bout d'un moment, un metteur en scène sur un plateau, souvent, c'est pas le son qui est le plus intéressant pour lui. Donc, c'est pas qu'il s'y intéresse pas. C'est que la gestion d'une journée de travail sur un plateau, entre les comédiens, l'image, la mise en scène, c'est vrai que vous devez passer... En général, les gens vous prennent parce qu'ils vous font confiance en vous disant « ça va rouler tout seul, je vais pas m'en poser, je verrai les problèmes après ». Et quand vous soulevez un problème lors d'une prise en disant ben voilà, faisons attention, je n'ai pas bien compris ce dialogue, ça c'est une chose importante à le dire, parce que c'est un metteur en scène où la plupart des gens, et même moi, on se fait avoir, vous connaissez le texte par cœur, donc vous ne faites pas attention à ça. Par contre, vous, en tant que spectateur, quand vous ne comprenez pas une phrase dans un film, c'est quand même très embêtant. C'est quand même la chose, vous dites, qu'est-ce qu'il a dit, vous avez perdu, et là vous décrochez, donc il faut être vigilant, mais après, il peut y avoir une volonté de ne pas comprendre, de vouloir faire un autre type de son. Tout est ouvert. Hein. On pensait à Godard, notamment, justement. Oui, mais Godard, il a construit la plupart de ses bandes son sur un mode de déstructuration du réalisme. J'entends, c'est pas, on n'est pas d'un côté... Mais par contre, tout ce qui doit passer comme information, à la fois sur l'image, sur le son, pour faire avancer son récit, ça marche. Mais tous les réalisateurs ne fonctionnent pas comme ça. La plupart des films sont des choses beaucoup plus conventionnelles. C'est-à-dire, on est dans une démarche... voilà, il y a des dialogues qui ont été écrits, qui participent d'une certaine musique, et voilà, c'est... Et après, à vous de voir comment vous allez arranger. Mais sur chaque film, c'est différent. Et chaque langue, en plus. Moi, j'avais une question sur le film de Philippe Garrel, L'ombre des femmes. Comment vous avez fait justement pour ces sons de vêtements, c'est une ambiance très intimiste comme ça, tous ces sons un peu de la vie quotidienne qui créent un peu vraiment une proximité, enfin c'est mon avis, une proximité avec ces personnages. Est-ce que c'est des sons que vous avez rajoutés? Est-ce que vous avez vraiment travaillé sur... Non mais il y a un truc très simple, Philippe, il veut pas que ses comédiens parlent fort, donc à partir de ce moment-là, il y a un truc très simple. D'accord. Non mais moi j'avais une discussion avec lui un jour, puisse vous parler de L'ombre des femmes, c'était la scène dans le café avec elle, où elle boit un café avec son amant, et elle tourne la cuillère, et ils avaient ouvert la fenêtre sur l'extérieur, et Philippe il me dit, mais genre, je les entends pas parler. J'ai dit non, c'est tant qu'ils parleront pas plus fort que ce qu'ils font là, c'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau inférieur à tout. J'ai dit, moi ça me gêne pas si on fait ça dans le silence. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça me gêne pas, le choix est très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment, quand elle bougeait, on entendait super bien la cuillère, hein, la cuillère elle joue toujours juste, il n'y a pas photo. Hein, et donc on a fermé les portes, voilà, mais c'est à un moment donné, il y a un truc, on peut pas être... en dessous de la compréhension, c'est-à-dire que... Alors, c'est ce jeu-là qui est fragile. Parce qu'après, quand vous êtes en mixage, on vous demande de monter les voix. C'est exactement le contraire de ce qu'ils font. C'est comme s'ils avaient peur que si les gens parlaient, parce que dans la vie de tous les jours, les gens ne parlent pas comme ça. Donc, c'est jamais... Vous retrouvez, si vous parlez, c'est dans l'intimité, vous êtes très proche, mais c'est jamais... On n'est pas dans ce type de rapport, dans des cadres larges. Dans la vraie vie, si vous avez ce type d'intimité, c'est que vous êtes très près de quelqu'un. Et vous n'avez pas forcément choisi d'être au milieu d'un carrefour pour aller dire une scène chuchotée à l'oreille de quelqu'un. Donc voilà, mais c'est un peu l'opposé avec Jean-Luc. Mais les deux sont intéressants. Après, moi je dis, c'est quelque chose de fragile. Donc c'est quelque chose qu'on doit... voilà, c'est de dire, jusque-là on peut, après on ne comprendra plus.
C'est pas qu'on n'entend pas. C'est qu'à un moment donné, si vous faites pas bouger les molécules d'air, il ne se passe rien. C'est aussi simple que ça. Le son, c'est des molécules qui bougent. Si vous ne faites rien bouger, il ne se passe rien. Alors effectivement, tout le reste prend plus de place. Parce que si vous faites ça, et voilà, moi, ça, c'est fort. Si on équilibre, après... Et on voit bien, c'est aussi une question de culture, hein, parce que dans d'autres cinémas, on arrive à avoir ce genre d'activité, ce genre de travail, pas forcément avec le même type de façon de faire parler les voix. Mais moi, je dis, là, à partir de là, c'est un choix. Hein, je dis, tant qu'on arrive à rester dans le domaine de ce qui est quand même la compréhension pour que le spectateur soit dans un confort par rapport à l'écoute et à la manière dont le film fait avancer à la fois la dramaturgie, etc. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. Et le générique du film de Garel mentionne l'utilisation de bandes magnétiques. Donc c'est... Non ? C'est ce qu'on a... Il me semble, non ? Ouais. Piral, peut-être pas. Non. Ah oui, oui, non, ouais. Oui, oui. Alors, oui, alors on va remettre l'église au milieu du village. Hein. Sur l'ombre des femmes, on a tourné avec un cantard. Ouais. On a reporté le cantard sur du 35 mm spiral, qui a servi au montage parce qu'il montait encore en traditionnel. Donc sur une, et ça a été tout un bins, parce qu'aujourd'hui, monter en traditionnel, il faut retrouver une table de montage, il faut retrouver de la magnétique, il faut retrouver de l'amorce, mm-hmm. il faut retrouver de quoi piéter. Donc voilà. Donc ça a été un espèce de grand bins pour trouver toutes ces machines. Et puis ensuite, la spirale, moi je l'ai récupérée au studio, et on a lu la spirale pour lire juste le time code. Et puis on est reparti des originaux du cantard. Mmh. Donc le magnétique, il a servi qu'au montage. Il n'y a pas eu d'étape où le magnétique a servi pour le mixage. Du coup, pour cette question de... Et là, le dernier film qu'il a fait, pour juste répondre à votre question, il a sauté le pas, c'est fini, on a arrêté. Il a monté avec un avide. Mais pourquoi il était réticent, enfin... Non, mais c'est toujours pareil. C'est, moi, la chose la plus intéressante, c'est quand j'ai commencé à faire le premier film avec Philippe, j'ai fait le... Un été brûlant. Et puis, ça faisait 3 semaines de tournage, on était à Rome. Et à un moment, il vient vers moi, il me dit, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu recharges jamais ton enregistreur avec de la bande. Et je dis, mais on n'a pas de bande, Philippe. Puis là, il découvre, stupéfait. Je dis, mais il me dit, mais on n'est pas en numérique. Je dis, ben si. Ah, il dit, mais ça va être une catastrophe, alors. Je dis, ça fait 3 semaines que tu vois des rushs, que tu es très content. Et là, évidemment, il y a le... Ben oui, c'est comme si... voilà, il faut aller donner une explication, de dire que le numérique, c'est pas parce que c'est en numérique, c'est un peu comme l'espèce de combat d'arrière-garde, dire l'argentique c'est mieux que le numérique, c'est différent. On avance, et, je veux dire, on a commencé par de la pellicule couleur, on est venu au noir et blanc, on est venu à la couleur, et on a avancé. Les premières pellicules couleur qu'on avait dans les années 50 ne sont pas les mêmes que les pellicules couleur qu'on a eues dans les années 90-2000, donc tout ça a changé, et le numérique... Au départ, c'était certes pas top, mais là aussi, les gens ont fait des progrès. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on aime, c'est un peu comme on aime une vieille voiture, on aime des vieux objets, et puis il y a des objets modernes. Donc voilà, c'est un peu comme si vous demandez aux gens aujourd'hui de dire, bon allez, vous déposez tous vos tablettes et vos téléphones, on va repartir avec le cadran, puis on va faire, vous allez voir, vous ferez beaucoup moins de téléphones par jour. Hein. Donc c'est ça, mais le numérique aujourd'hui, c'est pas qu'il est moins bien ou mieux que l'analogique, c'est une continuation de notre métier, voilà, qui va continuer à évoluer. Je veux dire, on va continuer à faire des progrès à la fois sur la dynamique, sur les filtres, mais on va aussi, effectivement, il y a des choses, c'est comme on a été vers des trucs de simplification pour plein d'objets qui sont des objets de mauvaise qualité. Donc on va dans les deux chemins, c'est-à-dire que là, au milieu, il faut trier pour trouver toujours quels sont les objets les plus intéressants pour ce que vous voulez faire de votre job. Je pense voilà, il y a des bonnes casseroles pour faire la cuisine, puis il y a des mauvaises casseroles. Le truc, c'est de savoir si on achète des bonnes casseroles tout de suite, plutôt que 10 fois des mauvaises casseroles. C'est un peu ça, l'idée. Et je pense que le numérique, ben voilà, c'est pour moi, c'est pas que c'est mieux ou moins bien. Après, il y a la nostalgie, il y a des gens qui aiment mieux le son analogique. Alors, mais ça part d'un truc qui est tellement personnel et tellement de l'ordre de... Ouais, c'est presque... C'est de l'affect, c'est pas autre chose. C'est de dire une platine vinyle, c'est plus beau que... c'est un peu comme si on disait aujourd'hui, bah en fait, non, la platine vinyle, c'est encore mieux que l'orchestre en vrai, quoi. C'est autre chose, c'est différent. Après, les gens... Moi, je sais que quand j'étais jeune, on se battait pour que
pour que les disques ne grattent pas, ne fassent pas de bruit, qu'on voulait le moins de souffle possible. Donc voilà, donc quand on a découvert le numérique, où il y a des choses qui étaient gênantes, qui ont disparu, ça a été intéressant. Aujourd'hui, de savoir qu'on peut travailler avec une dynamique, sans souffle, sans bruit de machine, c'est quand même plus intéressant que de se battre contre le bruit de grattement d'un disque. Et pareil pour la pellicule, si vous regardez les opérateurs qui tournaient en 16 ou en 35, ils ont fait les efforts du monde entier pour avoir aucune tache sur leurs images, pas de raies. Maintenant, quand on veut imiter le 35 ou le 16, on fait des raies, des bulles, donc c'est juste risible. Moi, j'avais vu un film de diplôme où il y avait ça, et j'avais juste demandé, mais vous savez qu'on peut faire des films en 16 mm sans raies. Donc c'était comme si on devait justifier, voilà, si on tourne en pellicule, c'est forcément avec des raies, c'est forcément pas très net. Non, l'histoire du cinéma nous prouve qu'il y a des films avec une image d'une netteté. Mais voilà, c'était un autre travail. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Et voilà, Garrel viendra aussi petit à petit. Il tournait encore en 35. Je pense qu'il viendra aussi au numérique. Parce que tout d'un coup, il découvre qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on pouvait pas faire, qu'on peut pas faire en pellicule, ou pas dans les moyens de ce cinéma-là. Et pour le son, je pense que c'est le son, est, je dirais que ça, on a démocratisé plus, on a permis plus à des films avec des budgets moindres d'avoir une bande son aujourd'hui qui est travaillée. À l'époque, c'était compliqué, il fallait du temps, des machines et tout, et donc on limitait le temps de travail sur les films. Donc maintenant, aujourd'hui, à peu près, je dirais qu'on peut arriver à avoir le travail qu'on veut pour chaque film. C'est plus... Voilà, ça nous a donné cet avantage-là, en tout cas. Mais après, chacun fonctionne et travaille différemment. Et comment vous êtes venu, vous, à quitter, entre guillemets, l'argentique pour passer au numérique? Est-ce que ça, vous l'avez fait d'abord par choix ou parce qu'il fallait, puisque la révolution, si c'est... Mais il n'y a jamais eu d'argentique au son, hein. Analogique ou magnétique? Ouais. Qui était déjà, on va dire, presque une forme de numérique, puisque c'était des paillettes de métal qu'on orientait dans un sens ou un autre. Donc, je veux dire le son a passé de plusieurs stades. Hein. On a commencé sur les disques de cire, puis on est venu à une époque, ça je pense que vous n'avez même jamais vu ces machines-là, c'était enregistré sur un fil de fer. Et pour faire du montage, on coupait, on faisait des nœuds. Donc, c'était des enregistreurs avec des bobines, comme des pelotes de laine. Puis ensuite, on est arrivé à partir des années 50 à l'arrivée de la bande magnétique par BASF et Agfa. Et puis, mais le numérique est arrivé assez rapidement, je dirais. Les premières machines numériques sont venues assez rapidement dans le son, pour la musique et tout. Je pense que, rapidement, on va dire, dans les années 70-80, il y a déjà eu des essais de machines qui avaient des tests pour faire de la musique. Et puis nous, au cinéma, le vrai changement, c'est que d'abord c'était compliqué, ces bobines qui duraient que 15 minutes, il fallait changer tout le temps. C'était un peu comme l'image. Qu'on avait quand même. C'était plus laborieux. Après, il y avait le transfert, etc. Puis bon, moi j'étais aussi intéressé par le changement, de me dire, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le numérique. C'était de faire avancer l'histoire. Et puis quand est arrivé Jean-Pierre Bouviala, qui nous a présenté le Kantar dans les années 2001, il a dit, voilà, je vais faire une machine son. Il a eu ce truc génial d'aller voir différentes personnes et de leur présenter d'abord. Il avait fait des dessins, puis il a une maquette, puis en nous demandant, voilà, qu'est-ce qui serait bien. Et donc il a fait cette machine, et effectivement, elle a été assez réussie, parce que, voilà, ça, c'était aussi bien que l'analogique, voire mieux pour plein de choses. Et puis on avait une machine multipiste, portable, voilà. Puis après, bon, tout est venu, toutes les autres sont venues derrière. Hein. C'était en 2003 qu'on a eu les premiers Kantar. Voilà, puis aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus un film qui se fait en magnétique. De toute façon, on n'en trouve plus du magnétique. Enfin, peut-être à quelques endroits, des gens ont gardé du magnétique, mais... Vous avez travaillé sur Kantar, du coup? Ah oui, moi j'ai des Kantar depuis le début. D'accord. Oui, j'ai toujours travaillé sur Kantar. Bob Viollet, il t'a présenté le Kantar et t'as expérimenté avec, ou... Qui, Jean-Pierre? Oui. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est la première fois, je me souviens très bien, c'était, il m'avait envoyé un dessin, puis j'avais dit, bon, mais écoute, je l'achète, même si elle ne marche pas, je le trouve joli, le dessin. C'est vrai que c'était un beau dessin, d'un point de vue objet, c'était un bel objet. Et je crois que j'ai gardé ce mail-là, parce que je trouvais tellement dingue de se lancer sur cette forme de machine, plutôt que tous les autres qui avaient fait des cartons à chaussures. C'était plutôt marrant, sa machine, elle avait un côté objet, insolite, comme ça,
comme ses caméras. Hein, donc c'était, mm-hmm. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est super fonctionnel, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Et non, après, ça s'est passé. Ben, ils ont eu les premières machines de série, donc on a fait des essais avec les prototypes. Et puis, je crois que je me souviens très bien, j'avais été à Grenoble pour embarquer une dernière fois un des prototypes pour faire des essais. Il m'a rappelé deux jours au téléphone, puis il m'a dit, écoute, on en aurait besoin parce qu'on doit partir pour faire une expo et tout. J'ai dit, mais vous avez déjà des machines finies? Il m'a dit, on en a quatre. J'ai dit, alors voilà, on a échangé. Donc, et le premier film que je ferais avec une partie au Kantar, c'était quand j'étais chanteur, en fait. Et en dehors, par exemple, des questions d'ergonomie qui sont effectivement souvent, célébrées pour les cantars, quelles sont les innovations quant à la qualité du son ou de la prise de son que le cantar a permis? Moi, j'avais appris une grande chose de Monsieur Kelley, qui était le patron de Stella Vogue, avec qui j'avais travaillé. C'était quand même que le plus court chemin qui sépare l'entrée du micro à la bande magnétique, moins on met de composants, mieux on se porte. Donc c'est vrai pour plein de machines, c'est-à-dire en fait, moins on va altérer le signal sur son trajet, moins on va lui faire des modifications, plus le son va être intéressant. Donc eux, ils se sont attachés effectivement à faire des préamplis qui avaient une belle dynamique, qui respectaient le spectre, qui se retrouvaient pas avec des aberrations, avec les faces qui tournent quand on fait des prises de son multicanal, etc. Donc voilà, après, c'est quand même que vos oreilles. Hein. Mais vous pouvez faire l'expérience, vous prenez un Kantar, vous allez enregistrer, une belle circulation à Lausanne, et puis vous prenez un zoom, et puis vous faites le même son, puis vous écoutez, vous verrez, vous n'aurez pas le même son. Mais ça vient du micro. Voilà, c'est vrai que si vous prenez un Shops ou d'autres micros qui sont sur ces petites machines portables, c'est pas la même chose. Quoi. C'est pas le même travail sur l'électronique. Voilà, il y a des gens qui ont quand même travaillé pour ne jamais altérer le moins possible le signal. Quoi. Et donc, le Stella Vox, ça répondait à ces exigences-là? Parce que c'est vrai qu'on, comme on disait avant le début de l'entretien, on entend généralement tout le temps parler de Nagra, et donc nous on était assez... Moi quand j'étais jeune étudiant et j'étais encore à l'école, j'avais été voir chez Nagra. Mm-hmm. À l'époque ils n'étaient pas très ouverts pour faire un prix. Ouais, vous êtes étudiant, vous débarquez avec une machine à 8000 balles, ça fait cher quand même. Donc, et j'avais été chez Stella Vox, et justement j'avais rencontré Kelley qui justement était absolument... vraiment une personne délicieuse et tout, avec qui on a parlé de son, etc., qui m'a prêté une machine, et puis surtout, j'ai écouté. Mm-hmm. Et moi, il y a un truc qui m'avait bluffé, c'est-à-dire que le son était brillant, quoi. Mais ça, chacun avait dessiné ses préamplis d'une façon différente. Le Nagra est une très bonne machine, et c'est un petit bijou de mécanique et tout. Pour moi, le Stella Vox, il avait un côté plus lumineux, quoi. Mais voilà, c'est personnel, hein. Et la machine était aussi plus petite, c'était la première machine qui était stéréo, et c'était des gens qui étaient vraiment à l'écoute. On a fait plein de choses avec Kelley pour justement, c'était le début de la stéréo au cinéma, donc de voir de quelle manière on allait pouvoir avoir un décodeur MS, de pouvoir intégrer des filtres sur les entrées micro, mais qui ne fassent pas de détérioration du signal, enfin, etc. Voilà. Vous avez travaillé avec eux? Oui, mais comme si vous êtes intéressé par un produit, que ce soit avec Kantar, avec Sonosax ou avec Stella Vox, oui, parce qu'à un moment donné, les fabricants, ils ont besoin d'avoir un retour. La plupart du temps, malheureusement, les machines sur lesquelles vous n'avez pas de praticien, de toute façon, quelles que soient les machines, il y a des gens qui seront proches de la pratique pour faire avancer la machine, ça c'est sûr. Et souvent même les machines... Certaines machines, elles venaient de praticiens qui ont décidé de faire des machines parce qu'ils n'avaient pas l'objet qui existait sur le marché. Mais oui, alors après, si vous entendez bien avec un constructeur, c'est plus agréable d'aller le voir pour lui demander la machine que vous voulez. Maintenant, il ne faut pas rêver, parce que ça peut être vite le délire. Hein. Chacun veut sa machine, les pauvres, ils ne feraient pas de... Voilà, je pense qu'il faut rester dans une limite, dans ce qui vient, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus convivial, que la machine soit solide, facile à être utilisée... et qu'elle réponde quand même, dans un premier temps, à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire enregistrer du son, voilà. Et vous, vous êtes déjà arrivé de bricoler une machine, par exemple? Pas à ce sens-là, en interne, non, mais non.
Non, non, il y en a que j'ai connus qui ont scié les bords de machines parce qu'ils se trouvaient que ça, ils se coinçaient les mains dessus. Non, je pense que la machine, elle est dessinée par quelqu'un. Après, à vous de l'adapter à votre manière de travailler. Et il faut aller très en amont quand on veut parler d'une machine ensemble. Moi, c'est vrai pour la machine que j'ai amenée. Là, j'en ai discuté dès qu'on était sur les dessins. Donc, c'était de dire, oui, faisons un demi millimètre de plus, ça mange pas, ça sera plus agréable si on doit mettre les... Voilà, qu'on ait ses sorties, tout ça. Mais à la fin, c'est quand même la personne qui va la dessiner. Mais lui, il souhaite aussi qu'ils aient pensé à tout dès le départ. Parce qu'une fois que vous avez lancé une machine en production, c'est très très cher de faire des modifications. Et bricoler aujourd'hui une machine, il faudrait être... en général, les gens qui ont développé l'électronique sont plus calés que vous, quoi. Vous pouvez venir en disant, ça aurait été bien si on avait fait ça, mais là, c'est trop tard. Et puis, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire, j'aurais préféré le bouton de l'autre côté, etc., quoi. Donc non, je dirais qu'on n'a pas fait, on n'a pas, j'ai développé des trucs et des objets pour travailler, oui, que j'ai fait. Une moi, mais prise en main. Non, mais simplement quand je, de se dire, ben voilà, j'ai fait un truc pour mettre ça avec ça ensemble, et puis de choisir les meilleures machines pour qu'elles travaillent ensemble, mais de dire la machine elle-même, la bricoler, non. En général, vous la choisissez parce qu'elle est déjà bien finie, quoi. Je me vois mal aller bricoler un Microshop, quand même, pour le couper, pour le raccourcir. Par rapport justement au choix des Microshops, quelles sont les raisons de ce choix à l'origine et qui font qu'aujourd'hui encore vous défendez l'usage de ce micro de ouais, c'est. Marque, mais, hein. Ou de cette marque de micro. Oui, bon, ouais, de toute façon, c'est assez drôle parce que si vous regardez bien, on se dirait que presque tous les micros, ça vient d'Allemagne. Hein. Tous les bons micros, ils viennent d'Allemagne. C'est quand même assez drôle, mais c'est comme ça. Bon, après, il y a des marques un peu séparées qui ont fait des petits éclats, mais quand même, on va dire, dans le grand marché du micro. Moi, j'ai choisi ça parce que voilà, j'ai essayé ça, Neumann, Sennheiser, puis à un moment, vous dites, voilà, j'ai pris cette marque-là, c'est pas que les autres sont moins bons, c'est celle qui me convenait le mieux. Et puis aussi, pareil, c'est-à-dire que chez Shops, il y a eu pendant très longtemps un ingénieur qui s'appelait, comment il s'appelait, Woodke. Qui était un type qui était très à l'écoute aussi, donc c'était, on pouvait lui poser des questions. Et voilà, et c'est vrai qu'à force de lui dire, ouais, ça serait bien si on avait un micro qui... un jour, il y a un micro qui arrivait, voilà. Mais parce qu'il était à l'écoute, il venait sur il venait voir les gens sur les tournages, il venait voir les fabricants de machines aussi, pour qu'ils se mettent d'accord entre les préamplis. Ils allaient voir aussi, voilà, maintenant, vous avez vu, hein, on a un micro, on a une bonnette anti-vent, les bonnettes... Les meilleures bonnettes qui existent sur le marché, elles sont faites par un Français qui s'appelle Cinella. Et voilà, c'est quelqu'un qui a longtemps été un assistant, qui trouvait qu'on n'avait pas des bonnes suspensions et qui, voilà, a développé la suspension idéale, mais pareil, en discutant avec les gens. Mais pareil, là, vous ne pouvez pas bricoler sa suspension, il l'a faite, il l'a pensée. Après, vous pouvez dire, si tu refais une fois, fais attention, ça, ça ne tient pas bien. Ou ça, c'est... Voilà, moi, j'ai tendance à dire que je fais confiance à partir du moment... ou vous aider quelqu'un à avancer avec son produit. Mais non, on ne va pas bricoler ces machines-là. Quand déjà vous l'ouvrez, vous dites, voilà, vous la refermez, quoi. La plupart des machines, heureusement, les machines qu'on a encore, on peut les réparer, mais... Puis elles sont bien faites, voilà, elles durent longtemps, c'est relativement fiable, on va dire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter l'enregistreur numérique que vous avez amené ? Oh là là ! Dans le sens pour vous, peut-être. Voilà, il est là. Alors, en fait, il se compose comme ça. Hein. Ça, c'est l'enregistreur. Et le rajout qui est en dessous, c'est 8 préamplis micro, qui sont indépendants, qui peuvent, à la fois, qui fonctionnent avec lui, mais qui peuvent fonctionner seuls comme préampli microphone. Et là, ça peut fonctionner, la machine toute seule peut fonctionner sans le préampli du dessous. Ce qui part déjà d'une machine quand même relativement sophistiquée, c'est 4 entrées micro, avec une dynamique qui, voilà, on n'en trouve pas sur le marché, hein, c'est pas compliqué. Moi, j'ai jamais entendu un préampli sonner comme ça, donc voilà. Mais parce que voilà, pareil, là, quelqu'un qui a réfléchi. Et puis on va défendre notre matériel helvétique quand même, hein, puisque c'est construit à Lausanne, ça. Donc voilà, c'est tout simple, c'est relativement simple d'utilisation. Je dirais que si on achète la machine et qu'on l'allume, on peut partir enregistrer en 5 minutes. Puisque d'office, il est paramétré de façon à un canal enregistre sur le 1. Enfin, voilà. Mais après, on peut rentrer dans les menus. C'est quand même un 16 pistes.
Donc ça laisse déjà des possibilités. Le poids, l'autonomie, c'est bien. Et puis, on peut faire, on a une extension pour avoir une, comment on appelle ça, une visualisation un peu plus fun. Vous voulez dire détaillé Non, c'est-à-dire que le truc qu'il y a, c'est que par exemple, quand on fait du plateau, du son direct pour pouvoir inscrire les sanétés, etc., c'est, bon, l'écran, c'est pas un écran géant. Hein, donc, mais il y a un moment donné, c'est, les gens, ils veulent petit, mais ils veulent voir tout. Ils veulent pouvoir tout faire avec, téléphoner. Donc, ainsi. Vous voulez dire qu'on va connecter, oui, voilà. Ouais, c'est connecté sur votre... Oui, oui. Si il veut se connecter, oui, ça le fera, voilà. Donc maintenant, théoriquement... vous voyez ou pas? Oui, oui. Et là, il est connecté. Voilà. Ouais, donc vous gérez directement tout sur... Voilà. Vous gérez sur la machine et sur la... Bah là, l'avantage, c'est que c'est quand même plus facile si vous voulez aller écrire Senetech sur ça que quand c'est écrit en plus petit là-dessus. Ouais. Mais on peut le faire qu'avec ça aussi. Puis vous pouvez le faire avec un téléphone, vous n'êtes pas obligé d'avoir une tablette. Ça marche avec tous les systèmes puisque c'est sur une page HTML, hein, donc c'est pas dépendant de la pomme, de la poire ou les autres. Mais du coup, oui, on a accès à... Et vous utilisez ce dispositif, je veux dire, avec la tablette Alors oui, moi j'ai commencé à... Bon, là, c'est encore un truc un peu nouveau. Hein. C'est que maintenant, il va falloir réinventer la roulante qui va avec ça, parce que vous doutez bien que bon, ça, c'est stop pour aller faire des ambiances. J'ai même fait des journées de tournage comme ça sur le dernier film sur lequel j'étais. Mais il y a, du coup, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça ne suffit pas sur un tournage d'un film, on va dire... on va dire classique, avec metteur en scène, script, combo, village, et tout ce qui va avec, ça veut dire renvoi de playback. Donc c'est tout d'un coup autre chose qui va avec, hein, c'est-à-dire vous avez des retours vidéo, vous devez renvoyer le son écouteurs. Donc ça veut dire que voilà, on va tout d'un coup, cette petite machine, elle devient elle va vite être dépassée par ce qui va l'entourer, quoi. Donc c'est là qu'il faut voir quel... Alors effectivement, pour un film, vous êtes en extérieur, vous allez faire des scènes avec deux comédiens, on va dire une perche pour faire des ambiances en stéréo, et puis une perche, non, ça va très bien. Ça, on a fait des journées comme ça, où on était en extérieur, dans la campagne, c'est parfait, mais ça pèse rien. Enfin, je veux dire, le truc pèse rien quand même. Par exemple, ah ouais. sur quel film ouais, vous avez utilisé ce... Ce simple dispositif en extérieur. Bah là, j'ai sur le dernier film de Giannoli et sur et un petit peu sur le dernier Garel. Et ça fait depuis quand que vous utilisez ça, du coup? Bah, ça fait un an et demi que c'est sorti. Ah, ouais. Et là, vous avez travaillé à la réalisation de... Bah oui, celui-là, on a il y a trois ans, c'était un dessin sur un ordinateur. Okay. Mais surtout après, j'ai beaucoup travaillé avec le. Avec la personne qui a fait le soft. C'est-à-dire d'être là tout de suite dès qu'il avait une idée, de dire voilà, on va faire ça plutôt comme ça, on va faire les choses d'accessibilité relativement simples pour que ça soit simple pour tout le monde. Quoi. Quelles sont les choses qui se doivent d'être simples, je veux dire, en termes d'accessibilité, puisque vous dites ça? Ben, moi, je pars toujours d'un principe qu'une machine, sans mode d'emploi, vous devez l'allumer et enregistrer un son. Alors bon, là, je charrie un peu, mais en gros, je dirais pour quelqu'un qui est de formation du son, vous devriez pouvoir déballer la machine, l'allumer, et puis vous dire, je pars enregistrer. Si vous n'arrivez pas à faire ça sans un mode d'emploi, vous dites, on est déjà mal barré, là. Donc ça veut dire que la machine, elle a été pensée au départ, toute simple. C'est-à-dire, vous l'allumez, elle est prête à enregistrer. Parce que c'est ça, en fait, qu'on demande à ce genre d'outils. Après, qu'on puisse aller régler des paramètres, parce que ça doit faire. Voilà, donc c'est... Effectivement, quand vous l'allumez la première fois, elle a quatre pistes prêtes à enregistrer. Vous tournez le bouton... Bah oui, il faut quand même tourner le bouton, et puis voilà. Et puis, après, vous pouvez accéder à tout le reste, qui est effectivement assez... c'est assez pointu, puisqu'on peut faire des réglages, les sauver. Enfin, bon, après, c'est toutes les mêmes machines. Hein. Aujourd'hui,
c'est de l'informatique, donc voilà. Mais après, oui, les gens vous disent, on voudrait pouvoir relire le son, on voudrait pouvoir voir la V-forme, on voudrait pouvoir monter. Il y a un moment donné, ça devient un peu complexe, quoi. Et puis, ce qu'il faut penser aussi, c'est que, bon, voilà, on peut... Moi, je me dis qu'on doit aussi, nous, en tant que techniciens, tant faire se peut, défendre au moins les produits qui viennent des endroits où on habite. Parce que je pense qu'on a besoin de ces entreprises, c'est innovant, c'est des beaux produits, c'est une belle aussi représentation de la technologie, que ce soit aussi bien sur le design que sur la technique. Et donc voilà, c'est à nous aussi de faire l'effort de prendre ces machines plutôt que de joindre à la facilité de dire on va faire comme tout le monde, on va prendre la machine que tout le monde a, quoi. Est-ce que le Kantar ou même le Stellavox ou autre avait cette immédiateté d'utilisation? Oui, parce qu'en fait, je veux dire, un Stellavox, à partir du moment où vous aviez compris comment charger la bande, ce qui était quand même relativement simple, je veux dire, vous aviez une position stop, test, record, puis après, il y avait un bouton de volume. Puis après, c'est pareil, les réflexes, vous allez les trouver. Là aussi, il va falloir s'habituer à quelque chose. C'est des machines qui ont les avantages de leurs défauts, c'est-à-dire qu'effectivement, en plein soleil, cet écran-là, vous oubliez, mais on oublie tous les écrans. Essayez de voir votre iPhone, vous ne voyez rien en plein soleil. Donc c'est le défaut de ces écrans plats, c'est plein d'indications, plein de possibilités, mais voilà, donc en pleine lumière. Par contre, bah, de se dire, on a fait des commandes relativement qui vont rester où on va pouvoir le faire à l'automatique. Moi, ce que j'ai toujours, quand je discutais avec Jacques et tout, je dis, il faut toujours penser au fait qu'on est en plein hiver, il fait moins 10 et vous avez des gants. Alors, est-ce que tu arrives encore à mettre record, tu vois? C'est ça. À moins 10, ça tu peux oublier. En plein soleil, celui-là, il s'éteint tout seul. Il met warning, donc... Non, mais tous, hein. Vous avez déjà laissé un iPhone ou un Samsung sur une table en plein soleil? Bah, il passe en rouge, hein. Et si vous le laissez vraiment, il explose. Donc voilà, ça non. Puis bon, voilà, c'est quand même une jolie... C'est une belle autonomie, je trouve, quand même, pour une machine sur une batterie, c'est plus de 7 heures, donc c'est quand même pas mal, ça. Et la différence qu'il peut avoir avec le Kantar, par exemple, ou l'un des Kantars, puisqu'il y a eu plusieurs modèles. Oui, mais il n'y a aucune différence, le deuxième Kantar, à part qu'il a un display. Bon, si vous voulez qu'on parle de politique, on peut, mais je ne parlerai pas du Kantar 3. Je n'ai pas acheté cette machine, voilà. J'ai trouvé la manière dont se sont comportés les gens vis-à-vis de Jean-Pierre Bovialat d'une façon assez indélicate, on va dire. Donc voilà, fin du débat. Non, alors si on devait prendre... ils n'ont rien changé sur les préamplis du Kantar. Ils ont amélioré des trucs au point de vue affichage, oui, parce qu'il y a un écran plus grand, etc. Ils ont aussi augmenté la consommation et tout. Ça, c'est une machine multipiste qui marche au demeurant très bien. Là-dessus, par contre, on a fait un pas en avant sur ce que peut faire un préampli micro, quoi. Ça, je pense que là, ils peuvent tous retourner à l'école, hein, tous. Il n'y a pas une machine qui arrive à ce niveau de... Toutes les machines, quelles qu'elles soient, quand vous enregistrez une ambiance dehors, dans le silence le plus total, on va se retrouver au bout d'un moment avec un espèce de grain dans le fond qui devient, dans les bas niveaux, quelque chose qui manque de définition. C'est normal, parce que plus on va descendre en niveau, plus vous allez rentrer dans le bruit de la machine. C'est-à-dire, quel que soit le il y a un moment donné où la machine, elle produit du bruit, c'est-à-dire les composants produisent du bruit. Tout, c'est pas... On n'arrive pas à ce truc de la pureté pure, que quand vous êtes dehors, vous arrivez à entendre, en fait, presque un équilibre parfait, et quand vous mettez un micro, vous ne reproduisez pas cet effet-là. Et en fait, ce qui fait la différence, bah, c'est à un moment donné, bah, oui, les bas niveaux, c'est très compliqué d'avoir de la définition. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est ça qui est génial, c'est comme ils se sont servis de deux AD à l'entrée, qui travaillent toujours dans le meilleur rapport, on est arrivé à une dynamique de 140 dB. Donc ce qui est énorme, c'est-à-dire que dans les bas niveaux, on a énormément de définition. Et je pense que ça, c'est là où on va encore améliorer aujourd'hui, dans les années à venir, où on peut faire un progrès. C'est pas aujourd'hui, on sait comment protéger dans les hauts niveaux, on sait comment enregistrer des choses qui ont vraiment de l'énergie et tout. D'enregistrer des choses très très tenues, avec de la définition, c'est difficile. Et sur un plan esthétique, quelles peuvent être les répercussions d'enregistrer à aussi bas niveau? Ben, un truc tout simple, l'essai que j'ai fait, ce qui m'a été, je trouvais très parlant, j'avais mis un micro avec une double MS à environ 2,50 m d'une voie de chemin de fer d'un petit train régional en Tchéquie.
Et puis j'ai réglé mon niveau moyen pour avoir le son du train avec une belle dynamique quand il passe. Et en fait, normalement, sur une machine, Kantar compris, quand vous faites ce truc-là, ben vous allez, quand le train passe, descendre le niveau, parce que sinon on va être trop haut en dynamique, puis on va le remonter après pour avoir. Mais du coup, on va avoir un déséquilibre, forcément, entre le... Parce qu'à un moment donné, si on n'est pas dans une belle dynamique, les sons forts ne sont pas jolis, c'est-à-dire qu'ils sont pas de, ils prennent pas leur place dans l'espace, quand même. C'est pour ça que les coups de feu, c'est si compliqué à enregistrer, c'est qu'il y a une telle énergie... On peut enregistrer un coup de feu non saturé, mais le problème, c'est que l'énergie, elle est toute petite. On a bien la pointe et tout, mais on n'a pas ce que ça représente physiquement quand vous tirez un coup de feu ou une explosion, etc. Et pour un train, c'est la même chose. Tous les sons composés à la fois de haute et basse fréquence. Alors là, ce que j'ai fait, j'avais réglé un niveau, je n'ai pas touché, donc le train, il est monté, le niveau est bien. Mais ce qui venait après, c'est-à-dire dans la disparition du son du train, et c'est-à-dire la vie qu'il y avait, il y avait une petite gare au loin, on entend tous les détails. Et ce n'est pas un truc où on se dit, tiens, je vais baisser parce que ça fait du souffle, ou le son est pas... Là, on entendait, je trouve, on a un truc sur la brillance et sur l'espace que moi, je n'avais jamais entendu, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas la machine toute seule, c'est un bon micro, un câble bien fait, mais voilà, quand vous avez tout ça, je pense que c'est là où on va avoir des... Et par exemple aussi, prenons l'exemple de l'eau. L'eau, c'est un espèce de truc assez étrange, c'est une composite de la totalité du spectre des fréquences. C'est-à-dire on se retrouve avec... Voilà, si vous prenez la mer, c'est comme un bruit rose. C'est-à-dire qu'on a dans la composition du son de la mer la totalité du spectre, c'est-à-dire entre 20 et 20 000 Hz, d'accord ? Cette espèce de bruit qui fait chut, voilà. Et quand vous enregistrez une rivière, c'est un peu de ça, avec évidemment des différences, puisque suivant la force de la rivière, on arrive avec une musicalité en fonction de si elle touche des cailloux, il y a des remous, etc. Ben là aussi, si vous avez une machine, là j'ai remarqué, pour des sons de rivière, où quand on est assez près de l'eau, avec une assez de force, très vite on vient avec un son brouillon. Parce qu'il y a à la fois des fréquences très élevées, et les fréquences basses, voilà, ça manque de définition. Bah pareil, là, on retrouve de la définition. Et pour la question de la musique, puisque vous avez été amené à travailler beaucoup avec la musique dans les films de Godard, mais aussi dans Marguerite ou Quand j'étais chanteur, est-ce que vous avez une technique particulière pour enregistrer la musique, des micros particuliers? Comment vous travaillez? Faut savoir que d'abord, non, c'est pas... On travaille toujours avec les mêmes micros. Oui, je dirais que si vous faites de l'enregistrement de voix, oui, vous n'allez pas prendre les mêmes micros. Par exemple, Shops avait sorti un micro qu'ils avaient sorti en 52, qui ressemble à une fleur, etc., qu'ils ont ressorti récemment. Donc ils ont amélioré la technologie, mais en gardant la même idée du micro. Enfin, le même look, c'est vraiment un look. Mais du coup, c'est une membrane moderne, avec un préampli, avec toutes les dernières innovations. Et puis voilà, c'est vrai que si vous faites du chant, il y a des micros comme le Neumann ou même les Shops, où les membranes sont plus grandes. On a évidemment on a un son qui devient un peu plus puissant aussi. Mais bon. Et puis sur les exemples des films que vous parliez, Marguerite ou même Quand j'étais chanteur, déjà sur le plateau, c'est toujours les mêmes micros, puisque ce qui a été enregistré avant, on a d'abord enregistré les orchestres pour faire les playbacks. Plus les voix de Gérard avant, et on a diffusé les playbacks. Même si moi je réenregistrais la voix de Gérard à travers son micro, en fait on reprenait sur le playback. Sinon vous n'arrivez pas à monter si vous ne tournez pas avec du playback, quoi. Par exemple pour le quatuor de Prénom Carmen, si je ne me trompe pas, qui a été enregistré en son direct, qu'est-ce que ça change vraiment comme esthétique que de l'enregistrer en studio? C'est peut-être une question... Oui, c'était quasiment, mais c'était quasiment un studio. Ouais. On était dans un appartement en sous-pente avec du bois. C'est un quatuor, c'est quatre instruments. En plus, si je dis pas de bêtises, Prénom Carmen était en mono, donc on ne s'est pas posé la question de. Mais je pense que j'avais enregistré qu'un ou deux micros. Sincèrement, je ne sais plus. Mm-hmm. Mais je crois qu'on a tourné. Je sais qu'on a tourné parfois avec deux machines, mais voilà. Mais là, c'est pas. Ouais, un quatuor qui joue bien dans un espace avec une belle acoustique, vous mettez deux micros, c'est... Après, vos oreilles font foi, hein. Faut être pas trop près de l'instrument, pas trop loin, voilà. Vous parlez du passage entre mono et stéréo à un moment donné de l'histoire du cinéma. Quelles ont été les répercussions à ce moment-là?
Sachant, en fait, sur un plateau, à part le fait de faire des ambiances en stéréo qui nous ont permis, nous, d'avoir de l'espace, plus de dynamique, etc. Parce qu'en fait, le changement, le passage du mono au stéréo, c'est pas seulement tout d'un coup d'avoir un espace sonore, c'est que il y a aussi toute la technologie qui va aller derrière dans la diffusion, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de dynamique, on va avoir moins les problèmes de compression dus à l'optique. Donc, il y a tout ça qui a basculé en même temps, hein, et tout ça venant en même temps que le début du numérique et de l'informatique. Donc tout a un peu changé au même moment. La manière de travailler, elle est... Non, si ce n'est qu'on fait des ambiances en stéréo, mais moi je continue d'enregistrer les voix en mono, donc c'est pas... Un son est un son, hein, je veux dire, après c'est plus intéressant de faire un espace sonore en stéréo par rapport à... Mais je veux dire, voilà, si on fait une très belle scène en intérieur avec deux comédiens, et qu'il n'y a pas d'ambiance stéréo, que vous avez un beau son mono, ça va aussi, hein. Je dirais que c'est un choix. Hein. À vous écouter, il semblerait que ce soit l'amélioration de la dynamique du son qui soit intéressante. C'est ce qui revient souvent dans votre discours. Est-ce que c'est véritablement ça aussi qui vous intéresse en... Mais c'est au même titre que si vous avez sur un étalonnage, sur des couleurs, sur le contraste. Entre les nuits, les contre-jours, la lumière participe de la même chose. Mais le son, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir de limite dans le son le plus fort pour ne pas avoir de limite dans le son le plus bas. C'est-à-dire, ce qui est le plus gênant, quoi que vous arriviez, si vous regardez un mixage auquel vous êtes obligé de faire ça et ça, vous allez avoir quelque chose qui est fade. Quand on a plus d'éclat, c'est comme sur de la musique. Qu'est-ce qui fait que certaines musiques aujourd'hui... manque d'éclat, elles sont concentrées dans 3 dB de dynamique entre le zéro numérique et voilà, donc la musique elle est tellement forte que tout d'un coup ça manque d'espace et tout. Moi c'est un peu ça qui me gêne dans certains morceaux de musique où je dis on n'a plus du tout de la dynamique. Si vous prenez un orchestre de classique ou même jazz et tout, on garde ce côté de entre les morceaux pianissimo, les éclats, je pense que la dynamique, elle fait partie aussi puis de la construction d'une scène. À partir du moment où vous faites une scène qui va passer d'un son fort à un son plus doux, ça va éviter aussi le côté monotone. Hein. Il y aurait un enjeu donc narratif dans ce jeu sur la dynamique du son, selon vous. Oui, mais alors je dirais, la dynamique du son, elle est créée à l'écriture. Quand vous avez un scénario écrit, je ne sais pas, moi, il sort en courant, fait tomber la poubelle, qui dévale l'escalier, claque la porte, c'est écrit. Si au contraire, il se couche dans les draps et il éteint la lumière, c'est pas le même son, quoi. Donc, non, mais je veux dire, la dynamique, vous l'avez écrite au moment de l'écriture. Donc après, évidemment, si vous faites un raffut du diable avec les draps, puis vous éliminez la poubelle, parce que le type du son vous dit, c'est con, la poubelle, c'est trop fort, voilà, là, il y a un problème. Donc c'est un peu comme de dire, moi c'est comme, quand les comédiens disent je vais faire attention de ne pas claquer la porte, je dis non mais claque la porte, je veux dire de toute façon si tu la claques pas maintenant, il faudra qu'on rajoute un son. Et par contre quelqu'un qui fait semblant, c'est comme quand vous posez une bouteille, hein, tu ne veux pas faire de bruit, faites ça se voit, donc posez la bouteille, si c'est sur du texte, ben, on verra après, mais c'est en ça que je dis la dynamique, il ne faut pas changer tous les gestes pour aseptiser, enfin moi j'aime bien ce qui reste vivant quoi. Et donc ça vous arrive de conserver des sons inattendus ? Oh bah surtout ! Surtout. Ah bah oui, c'est ça qui est le plus intéressant. Si ça se passe bien, c'est toujours pareil. Si vous avez un magnifique son de sirène qui passe au loin, qui joue parfaitement avec la séquence, vous dites bah c'est formidable. Ces accidents-là sont plutôt sympathiques. Maintenant, si effectivement, pendant tout le passage de la sirène, c'est tellement fort que vous n'entendez plus les deux acteurs qui parlent... De toute façon, il y a quelqu'un qui aura dit couper avant, donc les questions ne se posent pas comme ça. Et puis surtout, le problème qu'on a avec les sons, c'est suivant comment vous faites votre découpage, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont tourner des champs contre champs, et si vous avez dans un champ un son, puis dans l'autre pas, le choix, ça va être de dire, on va mettre tout le temps ce son, ou on va doubler la scène où... Donc ça, les gens vont s'arranger pour... C'est en fonction de... C'est pareil, c'est toujours pareil, je reviens, c'est à l'écriture, hein. Est-ce que finalement le numérique permet plus à ce genre d'accident d'émerger, en ce sens où peut-être qu'au temps de l'argentique, avec le prix de la bande ou ce genre de choses, on était
tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus cadré, ou est-ce qu'on expérimente plus aujourd'hui avec le numérique? Non, moi je pense que si vous avez enregistré un son bien au départ, il restera bien à la fin. S'il n'est pas bon, vous n'aurez aucune machine au monde qui vous le rendra bon. Hein. Ça, c'est comme une photo. Hein. Si c'est mal cadré, c'est compliqué à recadrer. Oui, on peut tout faire, hein, mais je dirais non, il n'y a pas d'objet miracle. Il n'y a pas la touche talent sur les ordinateurs. Donc, je pense que le plus important, c'est vous dites, je vais enregistrer un son et vous le faites la manière dont vous pensez qu'elle est la plus juste. C'est la même chose pour l'image. Après, il y a le métier qui sait que vous dites, voilà, je sais comment faire ça. Ou je sais comment ça, c'est pas la peine de le faire, mais ça marche pas. C'est comme de dire, non, c'est pas grave, je vais pas enregistrer ce son-là, il est pas intéressant, je sais où je le ferai ailleurs, ou j'ai déjà ce son. C'est comme quand les gens disent, tu veux pas enregistrer le petit fond d'air de la ventilation, vous allez emmerder toute une équipe pour enregistrer une ventilation que vous avez déjà enregistrée 50 fois. Donc ça sert à rien. Il y a des sons qui sont récurrents, c'est un peu comme un pain, vous dites, cette couleur, je l'ai déjà dans mes tiroirs. Par contre, il y a des choses nouvelles à chaque film, oui, des sons. Mais ce que disait aussi Thomas, c'est est-ce que le fait qu'on ait plus... qu'on soit plus limité par le coût en fait du support d'enregistrement. Oui, mais le son, ça n'a jamais été une critique à ce niveau-là. C'est vrai. Non. Si on compare ça, je veux dire, le prix d'une bande magnétique par rapport à... Oui, c'était un coût, mais je veux dire, par rapport au coût d'un film, ça n'a jamais été le truc où quelqu'un est venu vous dire « Tu as fait une ambiance de 5 minutes ?» Fou, ça coûte une fortune. Non, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, là où on était limité, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire... Moi, ça m'arrive des fois de me dire, justement, avec ce genre de machine, vous dites « Tiens, je vais... » Vous n'avez pas resté une nuit entière pour faire une ambiance depuis, je sais pas, le toit d'un immeuble en vous disant, voilà, peut-être à 5 heures du matin, il y aura un truc formidable. Ce que vous permettent ces machines, c'est vous dire, vous mettez en record, et puis vous ne restez pas à côté, comme ça déjà, vous ne ferez pas de bruit sur le micro, puis vous reviendrez 7 heures après, puis là, vous dites, je m'offre le luxe d'écouter ces 7 heures et je regarde s'il y a des accidents. Puis si ce n'est pas bien, vous effacez, voilà. Il n'y a pas un risque d'accumulation, à l'inverse, de se retrouver avec énormément de matière à la fin d'un... Oui, mais alors ça, c'est comme les photos. Ouais. Dites-moi combien de photos vous avez sur votre iPhone. Et puis on fait le calcul de toutes les photos là, ça en fait beaucoup. Donc non, c'est un choix après. Vous dites, est-ce que je vais les garder ou pas? Vous pouvez éliminer aussi les sons. Je veux dire, je pense que c'est un peu comme les photos. Sur 100 photos, il y en a deux qui sont bien. Bah, les sons, c'est un peu pareil. J'entends sur les ambiances, vous êtes dans un endroit où vous dites, tiens, je vais faire ça, 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 puis il y en a que vous ne faites pas, parce que vous dites, c'est pas la peine, je ne vais pas la faire pour l'avoir fait. Mais il y a des sons un peu... Tout d'un coup, si j'entends un truc que je n'ai jamais entendu, je vais me dire, ça, je vais l'enregistrer. Puis après, il y a... Voilà, moi, je ne fais pas partie de cette génération d'ingénieurs qui ont fait du montage sur des films sur lesquels il y a, on va dire, une construction sonore qui est... Bon, si on prend l'exemple de Star Wars, par exemple, ça c'est un autre savoir-faire encore. Parce que c'est d'inventer des sons qui n'existent pas, c'est de... Voilà, c'est aussi du génie à l'état pur, surtout quand on sait comment c'est fait, c'est encore plus drôle. Donc c'est encore un autre... Ça, c'est aussi un autre... Moi, je suis plus sur un côté à la fois naturaliste et sur des sons réels, voilà. Essayer de reproduire cette chose-là... pour donner tout d'un coup à un film, ouais, ben, le son le plus, on va dire, où on a l'impression que tout ça... Voilà, c'est comme ça. Vous voulez dire que avec l'arrivée du numérique, pour vous, en tout cas, vous n'avez pas aujourd'hui plus de matière sonore lors du montage, c'est-à-dire que vous n'enregistrez pas davantage de sons à l'ère du numérique que par avant, ça. Non. Non, non, je pense que... Déjà, je veux dire, après 40 ans de carrière, vous avez déjà une sonothèque phénoménale, donc déjà, tous ne sont pas répertoriés, déjà, donc je ne vais pas en faire encore plus. Donc, puis surtout aujourd'hui, vous prenez n'importe quel son, ou le bricoler, ça fait un nouveau son, donc... non, non, mais c'est vrai qu'il y a des sons que j'ai depuis longtemps, que... Voilà, j'ai passé du temps à faire des choses très clean que j'utilise, parce que c'est... Ben oui, c'est votre fond, c'est votre palette, quoi. Vous dites, voilà, j'aime bien ce mélange de bleu avec du gris, je l'ai réussi une fois, je vois pas pourquoi je referais passer 3 heures pour faire moins bien, quoi. Puis il y a des choses qui sont nouvelles. Il y a donc des bruits que vous reprenez d'un film à l'autre, en salle.
Ben ça, c'est, oui, mais c'est, en fait, c'est pas des bruits. Il y a des strates sur le son, je veux dire. Après, il y a des trucs, on va dire, c'est comme je vous disais, c'est où vous avez des tubes de couleurs sur lesquels on a fait ces mélanges. Ouais, ces mélanges, ils marchent bien. Donc, vous pouvez dire, bon, allez, je vais le refaire le même. Mais c'est un peu ridicule, je trouve. Vous pouvez passer du temps à faire autre chose que de vous dire, je vais passer 4 heures à refaire le même son que j'ai déjà. Enfin, je trouve ça devient un peu du ridicule, quoi. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si oui, il y a un son qui n'existe pas, de s'amuser à passer 4 heures pour l'inventer, oui. Et par exemple, quels sont les bons accords de son, selon vous, qui fonctionnent bien? Est-ce que vous en avez en tête? C'est que la séquence soit juste. Il n'y a pas de cuisine. Enfin, je dis, il n'y a pas de recette en disant ça et ça et ça et ça, c'est bien. Puis en plus, il y a des moments, c'est plus un jeu aussi. Vous dites... tiens, je vais faire une ambiance forêt matin. Puis c'est, je pense que si vous la faites le mercredi ou le samedi, vous faites pas le même mélange. Donc c'est, à un moment donné, ça marche ou ça marche pas ce que vous faites. Vous dites, tiens, je vais mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est un truc après de goût. Puis après, il y a un metteur en scène qui va dire, d'ailleurs, c'est ridicule ces oiseaux. Puis voilà, il va tout vous jeter en vrac. Hein. Ça existe aussi. Il y avait des metteurs en scène, vous savez qu'il aime pas les oiseaux. Donc c'est pas la peine de lui mettre des oiseaux. Il y en a d'autres qui adorent les oiseaux. Donc. Vous parliez de votre sonothèque que vous avez construite, et puis vous avez même certains, vous disiez certains sons que vous avez vraiment travaillé jusqu'à avoir quelque chose de parfait, entre guillemets. C'est pas parfait, ça me plaît. Pas parfait, mais quelque chose qui vous plaît. Donc, dans ce cas, est-ce que vous pourriez revendiquer une certaine esthétique personnelle, un certain. Ça, c'est ma touche, ça, c'est la touche musique, ça, c'est l'esthétique. Non, mais là, toute la question à 5 francs, ça voudrait dire qu'on pourrait déposer les bandes son des films, avec des droits. Ça devient compliqué. Je parlais d'un point de vue peut-être plus large. Est-ce que ouais, quand vous parlez peut-être avec d'autres ingénieurs du son, est-ce que vous, vraiment dans votre méthode de travail, ça donne une esthétique particulière? Est-ce que vous pouvez revendiquer quelque chose comme ça? Après, il y a des gens qui vous diront que, voilà, je pense que je fais toujours le même son. Puis ce qu'on a toujours à apprendre, mais je dirais que non, je pense qu'on ne peut pas revendiquer la bande son comme... Oui, ça vous appartient quelque part, mais en même temps, c'est aussi pour ça que les gens vous prennent pour travailler. Donc, à un moment, c'est parce qu'ils aiment bien comment vous travaillez ou parce que vous êtes un foutu caractère sur un plateau. Enfin, je sais pas. Et à propos de bande-son qu'on déposerait, je crois savoir qu'il y a ECM qui a édité la bande-son de Nouvelle Vague de Godard. Oui, ben, si vous voulez téléphoner à Manfred Escher pour qu'il me dise combien je dois... D'accord, non, mais c'est ce que je voulais savoir, justement, si vous aviez pris part à ça. Et si oui, on a fait le disque. On a fait le master pour ce disque. Mais non. Il n'y a pas eu derrière. Ah non, moi, j'ai jamais touché un centime. D'accord. Non, mais en même temps, c'est normal. Et autrement, on va... Non, déjà que c'est du délire, c'est l'histoire de droit. C'est un truc de dingue aujourd'hui. Vous prenez une touche de téléphone Nokia, il faut demander à la direction générale de Nokia si vous avez le droit d'utiliser le bip Nokia. Donc, c'est pas une blague. Moi, on a un film où Nokia a fourni tous les téléphones pour le plateau, donc tous les téléphones de jeu. C'est des Nokia, on les voit, on ne voit que ça dans le film parce qu'ils sont tout le temps avec leur téléphone. On nous a demandé, la production après, d'enlever toutes les sonneries, ils ne pouvaient pas les utiliser parce qu'il y avait des droits dessus. Voilà, on a refait les sonneries Nokia. La même chose, hein. C'est juste que quelqu'un s'est embêté à refaire toutes les notes. Voilà. Donc voilà, alors si on s'amuse à avoir des droits sur les ambiances que vous avez enregistrées, il faudra aussi aller demander aux oiseaux s'ils sont d'accord. Parce qu'après, ça implique plein de choses. Hein. Vous faites une ambiance dans un bar. Si quelqu'un se reconnaît dans le bar, voilà, c'est le droit à la photo après. Hein. Moi, je préférais l'avis de Jean-Luc qui disait, après tout, on a été payé pour faire le truc. Après, c'est ce que dit Jean-Luc. C'est pour ça qu'il dit, servez-vous de mes films. Parce que, voilà, ils ont eu leur vie. Après, ce qui m'intéressait dans l'évocation de Nouvelle Vague, c'était aussi de savoir si l'exploitation de la bande-son avait donné lieu à un nouveau travail. Non, à part de faire, une réduction stéréo du mix pour que ça rentre sur un disque, puis après qu'ils aient fait, eux, leur master dans leur coin, non. Non, non. Non, d'ailleurs, il n'y avait pas de raison. Hein. Je pense que ce qui a été intéressant dans Nouvelle Vague, c'est que ça reste tel que tel film. Quoi. C'est un peu quand on a refait de la... On avait remasterisé les premiers films de Jean-Luc, à savoir... Pierrot le Fou, Le Mépris, tout ça. Quand je me souviens, dans Pierrot le Fou,
Il y a un moment donné, on nous avait redonné tous les masters pour repartir les masters. Et donc il y avait eu une première série de films de Godard qui avait été fait sur la marque Criterion. Donc nous, on avait ça comme référence, en se disant, voilà, ça peut être une référence si on a des trucs moins bien, etc. Bon, et là, on avait reçu du Magnétique 35, et sur le Magnétique 35, une scène sur un des boulevards à Paris avec Bebel, il y avait le son, puis ça s'arrêtait, puis ça reprenait, puis ça s'arrêtait, puis ça reprenait. Et puis j'ai été regardé sur le disque de Criterion, puis là, ça s'arrêtait pas. Et puis donc j'ai repris le 35, puis je me suis dit, mais ça c'est des coups de ciseaux de Jean-Luc, c'est lui qui a fait les trous. Et à Criterion, ils ont bouché les mecs, en se disant c'est une erreur. Et j'ai appelé Jean-Luc, je lui ai dit, Jean-Luc, est-ce que tu te souviens si sur cette séquence, tu as fait des trous dans le son? Il me dit pourquoi? Je dis parce qu'il y a quatre fois l'arrêt du son, un peu style Godard. Il m'a dit, bah, bouge-en un sur deux. Donc c'était comme si, voilà, on va faire un truc nouveau. Donc j'ai pas fait ça, j'ai laissé les quatre trous d'origine. Mais donc ça veut dire qu'il y a des gens, voilà, c'est... Et comme quand on a livré le premier master du Mépris, on a eu un téléphone de Canal qui a dit, mais on vous a fait faire un 5.1, mais c'est du mono. Je dis, oui, mais le film est en mono, la musique est en mono, que vont faire du 5.1. J'aurais dit, on a utilisé un système qui permet d'avoir la dynamique du digital, etc., mais on va respecter le film tel qu'il était fait, on n'a pas remixé. Voilà, je pense que quand on fait une restauration, on doit être au plus près de ce qu'était le film, de ce qu'était le master de l'époque. Quoi. Nous, on a fait le tour, je crois, de ce qu'on avait préparé. Vous avez encore des questions, François ? Des choses à demander ? Ou alors une dernière question sur, si je vous entends bien, vas-y. Et un peu à l'instar de Jean-Luc Godard, vous ne défendez pas une position auteuriste en tant que... Ça serait quand même une grande prétention. Non, c'est un peu... moi, il y avait une phrase de Jean-Luc que j'adorais, il disait, quand les gens travaillaient sur ses films, ils disaient toujours, dans un bistrot le soir, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais le nouveau Godard. Et Jean-Luc a dit, il y a tellement de gens qui font mon film, je ne sais pas pourquoi je viens sur le plateau. Et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, je veux dire, voilà, le côté auteur, ça voudrait dire déjà qu'il faudrait prendre un crayon, puis une feuille blanche, puis écrire quelque chose. C'est pas ça. Si on a choisi de faire du son ou de l'image, oui, on a une part, je dirais, d'artiste, et ça, en le laissant bien, entre guillemets, mais ça reste quand même, on est au service de l'œuvre de quelqu'un et du travail de quelqu'un. Après que vous ayez des pensées, c'est pas votre film. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez pas vous accaparer ça. Les gens qui s'accaparent, et c'est typiquement ce qui peut arriver quand des techniciens expérimentés travaillent avec de jeunes réalisateurs, c'est que malheureusement, souvent, les techniciens peuvent s'accaparer. Ça peut être... voilà. Donc, si vous êtes amené à faire des films, ne vous laissez jamais bouffer par les techniciens. Ils ont aucun droit là-dessus. Ils peuvent être que conseils, mais... Et vous amener à faire ce que vous avez envie de faire. Après, on peut avoir des idées en disant, voilà, moi j'aimerais que... Je sais pas, c'est comme si un metteur en scène me disait, moi j'aimerais bien qu'on enregistre tout le direct avec le micro à l'envers. Je dirais non, je le ferai pas. Trouve quelqu'un qui veut faire ça. Parce que à un moment donné, ce métier il est intéressant parce qu'il faut quand même y trouver du plaisir et de trouver un challenge. Faire un truc à l'envers du bon sens, pour moi c'est pas un challenge. Après, c'est une position intellectuelle. Et possiblement esthétique aussi. Oui, mais après on peut tout défendre. Les flous, le décadrage, mais après c'est des goûts. Puis, non, mais c'est comme l'art conceptuel, hein. C'est comme le type qui vient avec une hache au milieu d'un musée, puis qui la plante dans le sol en bois, et puis qui dit voilà, c'est mon œuvre. Pourquoi pas? Mais après, vous êtes intéressé ou pas avec ce truc-là. Moi, j'aime le son à partir du moment où il participe. Pour moi, il faut qu'il y ait du romanesque. Etc. Voilà, je ne suis pas très intéressé par, on va dire, la conceptualisation sonore. Pourtant, à réécouter les films de Godard des années 80, enfin des années 80, il y a quelque chose quand même qui relève d'une nouvelle conceptualisation du son, ou d'une nouvelle approche du son peut-être. Oui, c'était une nouvelle approche, mais c'était toujours en rapport quand même avec les acteurs, la musique, la dynamique, sa construction à lui. C'était jamais... je veux dire, je sais très bien que... Jean-Luc n'aimait pas du tout si tout d'un coup le personnage était complètement à côté du micro, qu'on l'entendait pas. Enfin, ce qu'on aurait pu se dire, ça ferait aussi partie d'une esthétique.
Voilà, les gens off, ils veulent les entendre. Donc non, mais je dis pas que je suis pas intéressé à certaines expériences. Je dis il y en a pour lesquelles je sais pas si j'y trouve pas mon compte. C'est-à-dire si j'ai pas de plaisir à le faire, je vais pas aller contre. Voilà, il faut prendre quelqu'un qui a envie de s'amuser à ça. Ça c'est un peu comme les gens qui cassent leur guitare pendant un concert. C'est un truc que, voilà que c'est... moi je sais pas, je jetterai pas ma machine pour voir si ça fait un meilleur son après quoi. Les machines n'ont certainement pas d'âme, mais je pense qu'elles méritent le minimum de respect du fait du travail qu'elles vous permettent de faire avec, quoi. Donc plus on en prend soin, moins elles vous joueront des tours. Mais c'est vrai pour tout. Et puis c'est très écrit, en fait. Le son des films de Godard, il est écrit au même titre que... Mais tout, en fait, tous les auteurs écrivent leur bande-son sans le savoir, quand même. Après, c'est vous qui lisez. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus classiques. Mais tous ont écrit d'une manière ou d'une autre leur bande-son. Oui. Alors chez Jean-Luc, c'est écrit, c'est spécifique, c'est-à-dire effectivement. Puis il y a des petites choses après que vous décelez sur la manière dont il aime les choses, par rapport à le fait qu'il fasse du montage, on va dire du montage son en direct, c'est-à-dire que les éléments perturbateurs de la bande-son existent déjà, c'est pas des trucs rajoutés. Mais je dirais, quel que soit le metteur en scène, je trouve que leur bande-son, elle est écrite. Mm-hmm. Ils le savent pas forcément, mais c'est écrit. À partir du moment où Marquet, il est 5h du matin, on entend un clocher au loin et le bruit de la télévision dans la pièce à côté, ils font du montage son. Ça existe. Donc, je sais pas, vous faites un téléphone sur Skype avec des ruptures dans le texte, vous dites qu'il a déjà inventé une dynamique. Après, c'est à nous de se dire, voilà, comment on va faire pour faire ça. Mmh. C'est pour ça qu'il est aussi important de suivre... le son du début. Enfin, ah oui, alors ça, c'est assez... oui, ça, c'est un luxe. C'est un luxe, mais c'est une façon de... Non, mais c'est un luxe, et c'est aussi... Enfin, je veux dire, c'est un luxe. Et en même temps, je suis ravi de le faire, et j'ai voulu le faire. Et j'ai tout fait pour faire ça. Mais c'est vrai que oui, c'est un luxe, parce que c'est très agréable de savoir, quand vous enregistrez un son, de vous dire, voilà, j'ai... Pour une séquence, vous savez exactement ce que vous avez besoin. Vous savez exactement comment vous allez faire après. Oui, et puis du coup, le montage, il intervient tout le temps. Oui, mais moi, je pense que c'est ce que je disais au début. C'est la manière dont vous prenez le son au départ. Vous avez déjà fait une partie de votre mixage. Ça, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est pour ça que... Mais ça, et c'est en ça que je dis, on n'est pas... On peut pas être auteur de ça, parce que je veux dire, le son il est produit par un comédien, sur un texte écrit par un scénariste, mmh. mis en scène par un metteur en scène, voilà. Vous êtes juste là pour... Hein, c'est un peu le Game Boy de luxe, quoi.